Bon, le dernier live de la soirée. Le live a disparu. A disparu. Apprenez à assumer. Je repasse ce live demain à midi. Sur ma page. Je repasse. Je repasse le live de Zogo. C'était chaud de l'autre côté. C'est donné, rappelle-moi un peu. Bonsoir, mais quand même, c'était chaud de l'autre côté. Mais il faut expliquer, non. Non, c'était pour dire aux gens que je passe le live de Zogo demain à midi. Je passe le live de Zogo demain à midi. Parce qu'on pose des actes, il faut assumer. Qu'on pose des actes, il faut assumer. Je ne sais pas pourquoi il a supprimé le live. Heureusement que j'ai enregistré. Papa enregistrement. Heureusement que j'ai enregistré. Ah oui. J'ai enregistré le live en direct, en mode privé. Donc demain, je vais vous sortir le live là en intégralité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qui n'ont pas vu le live et que le live a été supprimé. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, deux fois, les réseaux sociaux ne doivent pas nous obliger à faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est les réseaux sociaux. Non. On doit prendre de la hauteur. On doit voir les choses différemment. Qu'on ne vous mente pas. Si quelqu'un dans les réseaux sociaux t'a trahi une fois, ne le prends plus. Ou bien tu le transformes en du cambido. Ne le prends plus. J'ai fait mon live ce matin. J'étais précis. Surtout en ce qui concerne cette affaire. J'étais précis. Les enregistrements. Le comportement. Parce que quelqu'un qui reste chez lui n'aura jamais de problème. Les enregistrements issus de... Comment on va dire? Les enregistrements issus... Non, c'est pas ça. La France vient de marquer le 12e but. C'est 12-0. On partage.
Non, je vais reposter le live. Ah, je vais le reposter. Le mat est fini. Bonsoir. Donc, je disais que je vais reposter le live là demain. Il y a un truc. J'ai dit ça aujourd'hui. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la loyauté. Vous ne connaissez plus ce qu'on appelle la loyauté. Les blogueurs. J'ai dit bien. Les blogueurs là. Vous les blogueurs. Je m'adresse à vous. Vous qui défendez les gens par rapport à vos intérêts personnels. Vous qui défendez les gens par rapport à vos intérêts personnels. Vous avez remarqué dans l'affaire Mugubelinga, j'ai travaillé seul. Je suis sorti dans tous les groupes où on m'a mis. Je suis sorti dans tous les groupes où on m'a mis. On m'a mis dans les groupes pour pouvoir exploiter mon image. On m'a mis dans les groupes pour pouvoir exploiter mon image. Quand j'ai défendu à Mugubelinga, cet homme disait, personne disait que, oh, on a payé à main quand même. Oui. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Non, je vais publier ça demain. Il y a une grande écoute. Je vais publier ça demain. Pas aujourd'hui, je vais publier ça demain. Parce qu'il y a le match de la France. C'est quoi cette équipe-là? On partage, on partage, on partage. Donc je disais, l'affaire va commencer bien même. Est-ce que c'est une histoire que vous connaissez quand même dans un dossier, non? C'est Zogo qui a l'auteur. Il est sorti. On va lui donner le marché. On va lui donner le marché là. Non, non. Je vais quand je vais appeler tout à l'heure, je vais entrer dans son live. Je suis sorti de son live pour lancer le mien. Ne vous trompez pas. Dans l'affaire Mugubelinga. Les gens ont raconté comment a touché l'argent. Les gens ont raconté comment a touché l'argent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Amer Kamer? Ou Amer Kamer mange seul. Amer Kamer a reçu l'argent, il ne veut pas donner aux autres. Je n'ai jamais touché 5 francs. Je n'ai jamais touché 5 francs. Bruno Bidjamé témoin. Parce que j'ai défendu l'image d'Amoukou Belenga.
Je n'ai pas touché un seul sentier. Mais on a vu comment je me suis défoncé. On a vu comment je me suis défoncé. Les menaces que j'ai reçues. On m'appelait au téléphone. On me disait, Kamer, quitte derrière mon boubine. Je dis que je ne quitte pas. Tant que je n'ai pas les preuves dénoncées, les preuves, comme quoi c'est lui, je ne quitte pas. Je suis resté focus. J'étais le premier. Je défendais Amougou Beringa sur la base des éléments qu'on nous proposait via les médias interposés. Je défendais Amougou Beringa parce que je crois à son innocence. Je n'ai jamais défendu Amougou Beringa parce que j'attendais quelque chose. Je n'ai jamais défendu Amougou Beringa parce que j'attendais quelque chose. Jamais. Mais le nom d'Amer Kamer restait partout. Amer Kamer, tu as mangé l'argent. Ils m'ont mis dans des groupes de soutien à Amougou Beringa. Je suis sorti de tous ces groupes. Amer Kamer fonctionne seul. Salut mon deux mètres de beauté. Salut la Soulange. Amer Kamer est resté focus. Focus. Dans mon point de départ, je défends Amougou Beringa parce que je crois à son innocence. Bien après, on voit les Zogo arriver. Parce que Zogo, pour lui, défendre l'image d'Amougou Beringa. On parle de l'image. On parle de l'image. Parce que quand il dit défendre Amougou Beringa, les gens vont penser que non. Amougou Beringa a les moyens de sa défense. Je tiens à le rappeler. Amougou Beringa a les moyens de sa défense. Mais défendre son image, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. D'ailleurs, je vais profiter pour dire aux hommes politiques et aux directeurs qui nous regardent là, continuez à négliger les influenceurs. Vous allez payer ça très cher. Dans les autres pays, les hommes politiques, les directeurs, ils ont leurs influenceurs dans les réseaux sociaux. Au Cameroun, il y a quoi? Rien. Rien. Quand on dit affaire Amougou Beringa, affaire Martinez Zogo, qui défendait Amougou Beringa, le nom d'Amer Kamer arrive. Les autres, on les cherche, on ne les voit pas. Les autres, on les cherche comme ça, on ne les voit pas. Qui était contre Jibouan. Amer Kamer était le seul qui était face à Vivien Jibouan. Les Zogo étaient où? Les Zogo n'étaient pas là. J'ai pris en moi tout seul la défense de l'image du Zogo dans les réseaux sociaux. Corps et âme. Avec une virulence, ce n'est pas possible. Jusqu'à replier Jibouan dans ses retranchements. Que Jibouan même reste comme ça et dit, « Mais Amer, tu es qui ?» Quand on dit qu'Amer Kamer, c'est le numéro un des influenceurs au Cameroun, il n'y a pas mon deux. C'est parce que quand ils font voir, je ne fais pas qu'une vidéo comme les autres, c'est facile. Le seul que je respecte dans le game, c'est Jibouan. Quand quelqu'un est plus fort, je dis qu'il est fort. Jibouan fort. Dans son style. Jibouan est fort dans l'art de la narration. Je ne l'enlève pas ça. Là-bas, il lui donne le tchaka. Mais quand on parle de l'impact, Jipo ne m'atteint pas. Jipo ne m'atteint pas. Vous allez toujours éviter que Jipo évite toujours le croisement avec Amer Kamer. Il sait. Il sait.
Quand j'ai pris la défense dans mon gouvernement, tout le monde est resté. On m'a appelé de partout. Les commissaires m'appelaient pour me menacer. Mes anciens amis commençaient à me donner que on t'attend au pays. Ils pensaient que j'ai peur d'eux. Je défendais mon terrain. Je n'ai pas connu Amougou Belinga derrière l'affaire Martinez Zogo. Je n'ai pas connu le groupe L'Anecdote derrière l'affaire Martinez Zogo. Je suis bien avant dans la maison. Longtemps bien avant. Donc à partir du moment où Amougou Belinga est impliqué dans quelque chose, moi à main Kamé, j'arrive là-bas comme un soldat. Je n'ai pas besoin qu'on me téléphone pour me dire qu'Amé Kamé va défendre le Zomboa. Je sais que je dois le défendre si et seulement si il a raison. Je ne défends pas bêtement. Je défends si et seulement si il a raison. S'il a tort, je ne le défends pas. S'il a tort, je ne le défends pas. Parce que j'ai une éthique. Je défends quelqu'un quand je pense qu'il a raison. Mais si la personne a tort, tu assumes. Pour moi, c'est clair. Quand les juniors Zogo entrent dans l'affaire, c'est pour des vengeances personnelles, il n'a pas du gain. C'est pour les vengeances personnelles, il n'a pas du gain. Junior Zogo entre dans l'affaire Amougou Belinga parce qu'il a d'abord faim. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'il a sa rancune contre Ngongo. Et la première dame. Voilà les trois points. Quand on m'a dit que non, Junior Zogo défend Amougou Belinga, je l'ai écarté. La première personne a commencé à nous donner les fausses informations. C'était Junior Zogo. Vous, il avait ramené un anglophone qui disait comme par rapport. Il avait ramené un anglophone. Maman, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. À partir de ce moment-là, j'ai dit à Bruno, je ne sais pas si Bruno était même Bruno était pas là. À partir de ce moment-là, je me suis désolidarisé encore plus. Je vais entrer dans l'historique pour qu'aucun Camerounais n'oublie. Le seul Camerounais qui s'est rapproché de Paul Biya à 5 mètres pour insulter le chef de l'État, c'est Junior Zogo. Le premier à trahir la base, c'est Junior Zogo. La première personne à semer la zizanie chez les patriotes, c'est Junior Zogo. Parce qu'il a un côté où il pense qu'il connaît plus que tout le monde. Parce que quand il va dans le dictionnaire, il prend deux ou trois petits mots là. Votre obscurantisme de ceci, de cela. Montrez-moi un seul combat où on a vu Junior Zogo sur le terrain à pas attaquer ses propres frères. Quand il faut attaquer ses propres frères petits, Junior Zogo est en tête. Attaquer Paul Biya, c'est Junior Zogo. Attaquer Katino, c'est Junior Zogo. Maintenant, on va inverser. Quand Junior Zogo est venu chez les Patriotes, vous avez vu Junior Zogo dans un front quelque part? Il est arrivé en Suisse quand tout était déjà fini. Junior Zogo arrive en Suisse quand l'affaire est finie. Il y a un frère qui dit que tu as laissé l'affaire pour l'affaire Amougou Belinga, tu as laissé pour la simple raison que j'ai laissé l'affaire tout simplement parce que à partir du moment où la justice camerounaise commence à sécuriser le dossier, on laisse la justice faire son travail. On laisse la justice camerounaise faire son travail. Junior Zogo était là pour régler son problème avec Ngongo. Je vais rappeler aux gens. Je l'ai dit aujourd'hui. Ce que Junior Zogo a fait,
Renseignez-vous bien. Ce que Junior Zogo a fait au président de la République, il met son pied au Cameroun, il sera arrêté. Ses propres frères Betty ne l'ont pas pardonné. Les propres frères Betty de Junior Zogo ne l'ont pas pardonné sur l'affaire du fait qu'il a attaqué le chef de l'État. Quand je parle, je préfère montrer les preuves. Je vais mettre sur YouTube. Je vais mettre sur YouTube attaque de Junior Zogo par le chef de l'État. Junior Zogo. Attaque pour le bien. Attaque. Le chef de l'État, le processus est un peu poney. Le dossier est donc bloqué par... Attends. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos de lui. Il y a beaucoup de vidéos. Ce n'est que les interviews. Parce qu'après, passer les interviews même. Monsieur Bia, libérez-nous, mais nous, monsieur. Monsieur Bia, libérez-nous. La dictature. Ça suffit. Voilà, la première personne de près. Voilà ça. Monsieur Bia, libérez-nous, mais non, monsieur. Monsieur Bia, libérez-nous. La dictature. Monsieur Bia, libérez-nous. La dictature, ça suffit. Le même gars qui insultait Paul Bia hier, vous pensez qu'il peut rentrer au Cameroun? Il y a des gens qui font miroiter à Zogo, que non, Zogo. Le travail que tu as en train de faire là, c'est un bon travail. Tu peux rentrer au Cameroun. Tente de poser tes pieds au Cameroun. Si les gens ne veulent pas te dire la vérité, tente de poser tes pieds au Cameroun. Ils vont t'arrêter. Moi, mec, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je pose, je ne t'insulte pas. Je mets la vérité sur la table. Zogo, tu poses tes pieds au Cameroun, ils t'arrêtent. Ne vois pas comment les gens sont au téléphone, oui, Zogo. La preuve. Rappelle-toi le problème que tu as à l'amiral Foudala. Quand tu avais dit que tu avais le dossier de la base dans les mains, tu as fait croire aux gens que tu avais beaucoup de dossiers, pourtant au fond, ça n'a rien donné. Tu te rappelles? Le problème avec toi, c'est que personne ne te fait confiance. Quand dans une société, les gens ne te font pas confiance, c'est dangereux. Le problème avec toi, Zogo, c'est que les gens ne te font pas confiance. Tu trahis tellement. Zogo, tu trahis tellement que ça devient inquiétant. Que ça devient inquiétant. Il fallait rester dans la passe. Le conseil que moi, mec, quand même, je te donne à l'époque, il fallait rester dans la passe. Il fallait rester là-bas. Comment tu peux attaquer Ngongo? Qui a nommé Ngongo? C'est pour le bien. Tu attaques Ngongo parce que tu penses que tu as fait plaisir au clan à Mugubiringa. Mais tu te trompes.
Tu te trompes. Tu fais croire aux gens que tu veux défendre à Mugubiringa. Parce que tu as ton règlement de compte avec Ngongo et la première dame. Voilà le règlement de compte que toi, Zogo, tu as. Ton règlement de compte entre Ngongo et la première dame. Voilà les deux gens que tu ne voulais pas croiser. Voilà les deux gens que tu combats toujours. Mais tu oublies quelque chose. La première dame, c'est un rang de ministre. Quand on dit que tu es première dame au Cameroun, c'est un rang de ministre. Tu as commencé à charger Ngongo en faisant croire aux gens que c'est Amou Gouberinga qui t'envoie pour attaquer Ngongo. Tu es comme Mbombo. Il a dit ça aujourd'hui. Entre toi et Mbombo, Mathieu, vous êtes pareil. Je dis, vous êtes pareil. Jipo a pris son parti. Jipo a décidé d'attaquer le régime. Il est resté dans le régime. Toi, tu attaques le régime lundi. Mardi, tu dis que je suis maintenant avec le RDPC. Porte tous les maillots du RDPC que tu veux. Ils vont t'arrêter. Je te dis, si les autres ne veulent pas te dire la vérité, je te tape ça, c'est. Boum, je suis infiltré. Je suis dans la maison. N'écoute pas ce colère qu'on raconte là. Tu poses des pieds au Cameroun Zogo, ils vont t'arrêter. Parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Attaquer le chef de l'État, qui est ton propre frère. Depuis que tu marches là, tu as vu qu'un Bamleke a attaqué son président un jour. Les Bamleke ne font pas ça. Les Bamleke ne font pas ça. Il a fallu que la première personne à attaquer Paul Biya en Europe, que ce soit son propre frère Betty. Il a fallu que ce soit son propre frère Betty. Tu as l'habitude de m'insulter dans les réseaux sociaux. Amer, Kamer, c'est un illettré. Zogo. Amer, Kamer, c'est un illettré, je te l'accorde. Je te l'accorde. Amer, Kamer, c'est un illettré. Mais, je reste le seul blogueur à avoir rencontré la plus haute personnalité du pays. Je reste le seul. Je reste le seul. Tu as failli me tuer pour ça. Tu as failli me tuer pour ça. Le voice est dehors. J'ai encore les voices là. Ça a pullulé dans tous les réseaux sociaux. Comment un illettré comme ma mère, Kamer, va rencontrer le chef de camp parce que les intellectuels comme nous sommes là, Zogo, je n'ai pas agressé Paul Biya comme toi. Je n'ai pas agressé Paul Biya comme toi. Un illettré, fais un sondage. Fais un sondage dans ta communauté. On m'a mère, Kamer, mais Zogo, on demande aux gens de choisir. Amer Kamer, c'est un conteneur. C'est-à-dire, quand je regarde le bloc camerounais, je suis comme Lionel Messi. Les Steve Farah, tous les Steve Farah, ce n'est pas quelqu'un. Et c'est le copier-coller. Quand on dit Brugali, que tu te mets comme moi là, tu parles, tu impactes. Il dit que celui qui peut me suivre derrière, c'est Jipon. Et j'ai point seulement par la narration où il me dépasse. Parce que lui, c'est son job de tous les jours. Donc il maîtrise l'art de narrer. Mais que quand Zogo, tu me dis qu'Amer, Kamer, tu es un illettré. Zogo, je te l'accorde. Mais je n'ai pas trahi mon pays. Je n'ai pas trahi les patriotes. Je ne me base pas du travail des autres pour prendre les lauriers. Regarde ce qui se passe. Dans les histoires de Zankalesson, il y a ton nom là-bas avec les enregistrements. Tu connais le nombre de personnes que moi, mais quand même, je connais au pays. Amouta a essayé. Amouta a essayé. Il a senti le vent passer. Amouta a essayé, non. Il est devenu la risée de tout le monde. Qui a été Amouta dans les réseaux sociaux?
qui a éteint en montant les réseaux sociaux. Sa mère quand même. Sa mère quand même. Avec raison. Aujourd'hui, on parle des voix. On parle des voix dans les réseaux sociaux. Zogo, on parle des voix dans les réseaux sociaux, ton nom apparaît. Comment tu veux qu'on te fasse confiance, toi, Zogo? Quand tu te retrouves en train de waka, avec de parler avec les waka, comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu veux te faire respecter? Voilà les élections qui arrivent, 2025 qui arrivent, à quel fond? Qui peut te contacter même pour faire la campagne? Personne. Personne. Parce que tu ne pèses pas. T'as pas de. C'est seulement dans le Komosa Lenga. C'est là où on te voit. Il y a le panafricanisme. Il y a l'affaire du Mali. Il y a l'affaire du Niger. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a dit que la géopolitique, pourtant, tu ne connais pas. Il y a l'affaire de la CAN. Au lieu d'élargir ton panel intellectuel, tout ce que tu as fait, c'est d'aller dans le souverain avec les gars, en train de travailler les postes de gauche à droite. C'est dedans. C'est dedans. Vous qui faites confiance à Zogo, il faut continuer. Vous qui faites confiance, oh Zogo, non, un entre nous, il faut continuer. Moi, ce que je dis la nuit, je suis capable de dire ça le jour. Moi-même, quand même, j'ai réussi le live de Zogo, non. Je vais le poster ça demain. Je vais le poster ça demain à midi. Je poste le live de Zogo. Vous parlez de quoi? Il a supprimé ça pourquoi? Il a supprimé ça pourquoi? Il a supprimé ça pourquoi? C'est trop facile de faire le chantage aux gens. C'est trop facile. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours en train de comment il va dire? Il n'a rien dit donc. Il a enregistrement, puis il n'a pas mis. Vous savez ce qu'on appelle enregistrement? Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un enregistré? Ouais. Quand on dit que quelqu'un enregistre, vous voyez ça? C'est les enregistrements de cette journée seulement. Voilà ça. De cette journée. Même quand mon père m'appelle, par mesure de sécurité, je l'enregistre. On ne sait jamais, il peut discuter quand je suis avec lui. Il peut discuter par mesure de sécurité. Je l'enregistre. Quelqu'un qui enregistre ne parle pas. Il tape comme ça, là, il vous montre. Il vous tape comme ça, il vous montre seulement. Et voilà ça, ça pile. Vous parlez de quoi? Tiens, je vous montre, voilà ça. En même temps, là, je suis en live. En même temps que je vous parle, là, je suis en live sur TikTok. Voilà. Tous mes téléphones sont opérationnels. Pendant que je suis en live ici, je contrôle les autres lives. Je contrôle les autres lives pendant que je suis en live. Aucune information ne doit m'échapper. J'ai 35 faux profils Facebook. Quand quelqu'un lance le live et que je n'ai pas confiance, j'enregistre, je fais le direct dans le direct. J'enregistre comme j'ai fait Zoho. Je contrôle toute la toile camerounaise. Il n'y a rien qui m'échappe. Rien. Rien. Vous pensez que les gars ne souffrent pas à moi? Pourquoi? Là, je suis en déplacement. Quand je suis en déplacement,
le strict minimum de guerre. Là, quand je suis en déplacement, voilà pourquoi mes caméras coûtent très cher. Quand je suis en déplacement, mon binge ordinateur portable, deux tablettes mobiles, sept téléphones. Je me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. J'ouvre en même temps que je suis en live avec vous. Je suis en train d'enregistrer le live de Lolo aussi. Dans un autre profil. Les histoires que les gens n'assument pas là. Comme Zoga a supprimé son live, je vais remettre son live. Ça va rester sur ma page. Je ne blague pas. Être blogueur, c'est un métier. Quand on est blogueur, là, c'est un métier. Les études. Mes autres écouteurs sont là. Non, parce que vous pensez toujours que les gens là, quand vous dites que c'est un métier, 7 téléphones, au moins 9 paires de boules. Voilà ça. Je vais vous montrer un peu le travail. Comme ça, vous allez penser que ça, c'est une paire d'écouteurs. Une autre paire d'écouteurs. Une autre paire d'écouteurs. Une autre paire d'écouteurs. Une autre paire d'écouteurs. Je dois rester connecté H24. Ça, ce n'est que les écouteurs. En matière de batterie maintenant. Batterie rechargeable. Deux petits mobiles. Quand je m'en vais chez quelqu'un, j'ai les deux ici dans la poche. Quand je sais que je m'en vais à un autre, j'ai celui-ci de par terre que je pose. Être blogueur, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Voilà, quand quelqu'un vient nous voir, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des couilles pour être blogueur. Moi, c'est ça mon métier. Les disques durs, alors, c'est la magie. Vous connaissez mes disques durs. Les disques durs, c'est la magie seulement. C'est quoi? C'est quel genre de blogueur ça? Zoukouki a trahi la base. Il a trahi les patriotes. Il a trahi le Cameroun. Maintenant, il trahit les autorités. Dans bientôt, on va t'entendre que Zoukouki fait le chantage à Bruno Bidjan. Dans bientôt, on va entendre que Zoukouki fait le chantage à Bruno Bidjan. Il y a beaucoup d'applications pour enregistrer. Attendez, je vais vous montrer les applications qu'il y a pour enregistrer. Il y a beaucoup. Et je vais vous montrer une bonne connexion pour enregistrer. Faites des transferts d'appel. Le transfert d'appel, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose pour enregistrer. Le transfert d'appel, c'est la mort. Voilà. Voilà quoi le record là. Même si tu m'appelles pour me laisser un petit message, bam, ça prend directement. Quand tu vas enregistrer quelqu'un, fais un transfert d'appel. Parce que le transfert d'appel, le voir, il ne va pas s'en rendre compte. C'est important. Tu fais un transfert d'appel, tu l'enregistres sur un autre téléphone. Comme ça, ton téléphone perso reste sans. Moi, quand quelqu'un m'appelle sur le téléphone-ci, je fais le transfert d'appel sur ce téléphone-ci. Une fois que le transfert d'appel arrive, ça déclenche automatiquement. Je commence à enregistrer. Je n'ai pas besoin, ça se déclenche automatiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. S'asseoir, aller faire le cours, ça t'apporte quoi? C'est maintenant que vous comprenez. Les gens disent que oh, tous les gars avec qui j'étais dans le patriotisme sont où? Tous les gars avec qui Amer Kamé était dans le patriotisme sont où? Tous les gars de là-bas sont où? Ils sont où? Ils ont tous disparu. Tous. Manque de créativité. Il n'y a pas le cerveau. Amer Kamé reste au pays. Jusqu'aujourd'hui, Amer Kamé. Vous pensez que les hommes politiques là courent derrière moi? Pourquoi? Vous pensez que les hommes politiques là courent derrière moi? Pourquoi? Parce que ça, Amer Kamé, c'est vraiment la menace. C'est vraiment la menace. Ils savent.
Vous pensez que pourquoi les capitalistes sont toujours en train de négocier avec moi? Ils savent qu'Amer, c'est une menace. Que quand les élections vont commencer là, Cabral va prendre cher. Il va payer le prix fort. Il le sait, ils savent que non. Je suis une machine de guerre. Quand on dit blogueur camerounais, on commence par Amer Kamer. Le reste, là, va être sur le banc de touche. Quand il dit ça, il est arrogant et prétentieux. Il n'y a pas Kamer, Kamer, parle le bon français, tout. Regardez où Zogo se trouve aujourd'hui. Dans les jupons des ténébreuses. Dans les jupons des ténébreuses, en train de faire le Congo ça là-bas. C'est ça. Man, tu n'es pas un blogueur. Tu n'es pas un blogueur. Entre dans le Congo ça, porte la jupe directement. Moi, si je me vois chez les gars, je m'amuse. Quand je m'en vais, je m'amuse avec mes soeurs. En gardant quand même un petit côté humoristique. En gardant un petit côté que non, j'aime un peu fait, je vais aller attaquer Nicole Kecha, je vais un peu rigoler, je vais aller attaquer Ndole Miondo, je vais un peu rigoler, je vais un peu me balader, je tourne cela comme ça, histoire de leur, voilà, histoire de dire que non, je participe aussi à l'autre quotidien. Mais tout le monde sait quand même, Mali demande au Mali, je suis une véritable star au Mali. Allez au Niger. Quand je commence à faire mes lives avec les cas du Niger, Universal Soldier, quand je commence à faire mes lives, avec les cas du Niger, je suis comme ça. Il y a les Ivoiriens qui cognent à ma porte, il y a les Soudanais qui cognent à ma porte, comme ça, avec Amer, on te veut chez nous. C'est ça qu'on appelle un blogueur. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Parce que je prends d'abord la situation géopolitique d'un pays, je regarde, je lis, je dis ok, je regarde, je lis, papa, je décrypte tout avant d'entrer en scène maintenant. C'est un job. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est blogueur parce que non. Man, il faut avoir les couilles. Le métier que nous on fait là, il faut être prêt. Parce que chaque fois que l'on pose des pieds au Cameroun, entre les convocations, ou les CC, on est habitué à ça. C'est nous, on est habitué à ça. Demandez à Zogo de rentrer au pays. Comme, s'il ne craint rien, demandez-lui de rentrer au pays. Il est français, non? Demandez-lui de rentrer au pays. Vous parlez de quoi? C'est quel homme que tu as. On a dit que, tu fais un live et même tu coupes ton propre live. Tu n'es pas sûr de toi. Non, je n'ai pas su de toi. Mais c'est pas moi. J'assume ce que je dis. Quand je suis dans les réseaux sociaux, je prononce toujours le nom. Je prononce. Pour que la personne ne dise pas que non, il avait peur de moi. Je prononce le nom. Simple. Je ne fabrique pas. Non. Je t'appelle Pam pour que tu comprennes que je m'adresse à toi. La première personne à venir avec les fausses informations dans l'affaire d'Amoukoubilinga, c'était Zogo. Il allait prendre un anglophone n'importe où, qui est venu nous raconter tout un truc qui ne tenait pas la route. Quand il a regardé le mensonge là-dedans, c'est devenu que Amer quand même me jalouse. Moi, je peux jalouser Zogo. Niveau intellectuel, d'abord, il est hors sujet. Niveau intellectuel seulement, à part Ebebda, à part la géographie de Ebebda, il connaît encore quoi. À part la géographie de Bebda, tu connais ça, à la géographie de Bebda, tu mets la géographie peut-être de Yaoundé, il connaît encore quoi. Il connaît encore quoi. J'ai le direct avec moi. Vous blaguez. On discute pour discuter. Vous parlez de quoi? Toujours dans le chantage. J'ai les relations, ma belle relation. Quelle relation l'OPE? On vous a dit qu'un homme politique peut s'afficher avec Zogo. Des fois, vous me faites souvent rire. Quand je vois souvent les personnes, je dis que oh non, Zogo. Un homme politique peut s'afficher avec Zogo. Vous parlez même de quoi? Vous connaissez le Cameroun là? Les politiciens camerounais ont peur des blogueurs, vous n'avez même pas idée. Mais demandez à Paul Tchouta. La dernière fois, quand j'étais en Allemagne, j'étais avec Paul Tchouta, non? Vous n'avez pas vu la vidéo?
La dernière fois, quand j'étais en Allemagne, j'étais avec mon frère Paul Chouta. On a parlé de tout et de rien. On a parlé de tout et de rien. Vous me parlez de quoi? Ne confondez pas. Hein. Nous sommes des influenceurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. À un moment donné, Zogo, il va falloir que tu assumes. Que tu prennes tes couilles, tu descends au Cameroun. Les gens qui tombent au téléphone là, c'est seulement pour t'utiliser. La preuve. Regarde jusqu'aujourd'hui. Ça ne te dérange pas de ne pas poser ton pied au Cameroun. Ça ne te pose pas un problème. Mais c'est pas moi. Les gens disent toujours qu'Ouamé Kamé pose ses pieds au Cameroun. Je suis allé au Cameroun fatigué. Fatigué. Mais les mêmes gens sont toujours. Oh, Ahmed, Kamé, pose tes pieds au Cameroun, on va t'arrêter. Pose tes pieds au Cameroun, on va t'arrêter. Qui peut m'arrêter au Cameroun? Pour qu'on puisse m'arrêter au Cameroun. Attendez un peu, je pose ça. Pour qu'on puisse m'arrêter au Cameroun, il faut que je pose un acte qui va à l'encontre des autorités camerounaises, ou de la Constitution. C'est le seul moyen. Mais quand on dit salut Michou, quand on dit qu'on est frère, quand on dit qu'on est vrai, je poste le direct demain sur ma page à midi. Je poste ça sur ma page et demain même, je vais même poster ça à mes abonnés. Parce que vous êtes là sur ma page depuis, vous ne vous abonnez pas. L'abonnement, c'est 5 euros par mois. Donc si j'ai peut-être 5 000, 10 000 personnes qui s'abonnent là, on aura les vraies informations. Donc c'est demain. Donc je vais mettre ça. La vidéo seulement sera accessible aux abonnés de ma page. La vidéo sera uniquement accessible aux vidéos, aux abonnés de ma page. Je vais mettre là spécial abonné. Donc vous pouvez vous abonner sur ma page. L'abonnement, c'est 5 euros. Quand on a un blogueur comme Ahmed Kamé, on le suit, on le motive. Depuis qu'on a commencé le live, là, les étoiles, vous n'envoyez pas. Vous pensez que tout ça, on fait ça comment? Il n'a pas encore été piégé par Mbappé. Il n'a pas encore été piégé. Mbappé, prends deux bières, s'il te plaît, à mon compte. Nadège, prends deux bières. Prends deux bières à mon compte, Nadège. Je n'ai pas... Il n'a pas été piégé par Nadej. Nadej a montré qui est Zogo. C'est facile de dire qu'il a été piégé par Nadej. C'est trop facile. C'est trop facile de dire qu'il a été piégé par Nadej. Ça, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Il n'a pas été piégé par Nadej. C'est la vraie nature de Zogo. Zogo aime parler. Zogo aime parler. Il aime pleurnicher. Il aime se plaindre. Zogo se plaint comme une femme. J'ai côtoyé Zogo, non? J'ai côtoyé Zogo, non? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? J'ai côtoyé Zogo. Je sais qu'il y a Tariqué. Il est arrivé chez la patriote, il dit que vous êtes le leader des patriotes. J'ai rigolé. Il dit Zogo, tu vas être le leader des patriotes. Après avoir agressé le chef de l'État, tu vas être le leader des patriotes. Ça va pas, non? Ça ne va pas, non? C'est facile, hein? Quand les autres font, c'est trop facile. C'est facile mal. C'est quand vous faites qu'on voit maintenant que ce n'est pas facile. C'est quand vous faites qu'on voit que ce n'est pas facile. Mais quand c'est les autres, c'est trop facile. Il a été piégé par Nadège, je ne sais pas pourquoi. Nadège Mbappé, d'habitude je ne suis contre toi, mais le tout c'est Nadège. Nadège, prends des billets. Nadège, prends des billets.
à mon nom. D. Bien-vu. Ouba. Le traître de la République. Quelqu'un qui a agressé son propre frère. Mal déjà. Maman. Après, qu'on va vous dire qu'Amen, qu'Amen. Quand on va vous dire qu'Amen, qu'Amen, ce n'est pas n'importe qui. Les gens vont venir. Oh, Amen, qu'Amen, tu es qui? Amen, qu'Amen, tu es qui? Amen, qu'Amen, c'est Amen, qu'Amen, cela. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui est fort. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui est fort. Demain, Zogo, je vais redécrypter le live là à zéro. Je vais redécrypter le live là. Nayo, 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 Nayo. Je décrypte cela. Tac, tac. Une partie du live se trouve sur la page de Patricia Mel. Une partie du live, je vous envoie déjà. Une partie du live se trouve sur la page de Patricia Mel. Les gens aiment parler. Quand c'est pour les autres, vous ouvrez vos larges bouches. Vous savez ce que vous faites. Hein? Et ne pourrez jamais être contre quelqu'un pour bien nommer. Jamais. Hey. Jamais. J'ai défendu Amougou Belinga sans indexer quelqu'un. J'ai défendu Amougou Belinga sans indexer quelqu'un. J'ai défendu Amougou Belinga sans mentionner le nom de quelqu'un. C'est ça la vérité. Quand vous n'aimez pas qu'on vous dise souvent certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont le live de Zogola. Hein. Je repasse ça demain en direct. Ne vous trompez même pas. Je repasse ça demain sur mon mur. Pian. Quand on pose des actes, on les assume. Vous n'assumez jamais rien. Vous êtes toujours en train de dire que oh, telle personne parle. De... Moi, quand je parle de quelqu'un, je ne suis pas dans les conversations de ces gens-là. Je ne suis pas dans leurs conversations. Je ne suis pas dans le conseil de ces gens-là. Voilà pourquoi je garde la tête haute. Voilà pourquoi je garde la tête haute. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Continuez à insulter. Continuez à insulter. Vous allez lire l'heure. Ce n'est que le début. Zogo, ce n'est que le début. Tu as confirmé le code. En bon entendeur, salut.